connaissance de ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne pleure pas. Don't cry. Lève-toi. Rise up. Deux phrases. Two sentences. Exclamation. Of exclamation. La première phrase dit, ne pleure pas. Don't cry. Lève-toi. And rise up. Ne pleure pas. Don't cry. Lève-toi. Rise up. C'est une exclamation. It's an exclamation. Alléluia. Alléluia. Homme frère. Il est dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que le peuple de Dieu dise, Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, il est parti d'un point à un autre point. He went from a place to another one. Il est parti d'une ville qu'on appelait Naïm. He moved from a town called Naïm. Naïm était une ville proche de la ville de Nazareth. It was near to Nazareth. Et il a vu qu'il y avait une grande foule qui le suivait. There was a great crowd who was following. Il avait ses disciples. There were his disciples. Une grande foule. A great crowd qui le suivait. That was following. Il faisait route avec Jésus. There was walking with Jesus. Ce grand monde-là faisait route avec Jésus. This large number. Il y avait deux grands groupes. There were two groups. Les disciples. The disciples. Et la foule, la masse. And the crowd. Ils suivaient Jésus où? Dans la route. Ils faisaient route avec lui. In the way. Je pourrais te poser la question ce matin. I can ask you this one. Toi, tu fais route avec qui? With whom are you walking? C'est avec qui toi tu es dans le chemin? With whom are you in the way? C'est avec qui tu es là marché? With whom are you walking? Tu es dans le chemin avec qui? Are you in the way? Tu fais route avec quelle personne? With which person? La Bible dit que les disciples de Jésus, ainsi que cette grande foule là, faisaient route avec Jésus. C'est-à-dire qu'ils marchaient avec Jésus et dans la même direction que Jésus. Ils allaient sur la même voie que Jésus. C'est-à-dire sur la même route que Jésus. The same route. Mais toi, tu fais route avec qui? Tu vas marcher avec qui? With whom are you walking? Dans ta vie de tous les jours. Life. Avec qui tu fais chemin? With whom are you walking? Avec qui tu fais chemin? With whom are you walking? Qui est devant toi et puis tu le suis? Who is it after you? Ces gens-là avaient Jésus devant eux. These people have Jesus in front et of them. Et ils marchaient avec Jésus. And they were walking with Jesus. Ils avaient la possibilité de le côtoyer, de le fréquenter they tous les jours. The possibility to be with him every day. En tout cas, en ce moment, ils avaient la possibilité de poser toutes les questions. At that time, they can ask him any question. Oh, frère, faut dire amen. Amen. Faut dire amen. Amen. Et lorsque ce peuple l'a fait la route avec Jésus, when they were following Jesus in the way, il a dit à partir du verset 12, au verset 13. Verse 12 and 13. Ne pleure pas. Don't cry. Du verset 12 au verset 13. From 12 to 13. C'est notre premier point. It's our first point. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, when he went high at the gate of the town, voici on portait en terre un mort. A funeral procession was coming out. Fils unique de sa mère, a only son of a woman, qui était veuve, who was a widow, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. And a large crowd from the town was with her. Il a dit que lorsque Jésus-Christ
Jesus were near the gate of the town, il y avait un deuil. There was a funeral. Il y avait des funérailles. Funerals, procession. Et il y avait des gens qui portaient en terre, qui amenaient au cimetière un jeune homme qui était mort. And there were people who were carrying a corpse. Mais ce jeune homme-là était un fils unique. And that young man was the only son. Une femme qui était veuve. Of a widow. C'est-à-dire une femme qui avait perdu son mari, quand le mari était mort. A woman who lost her husband. Mais la femme veuve. And that widow, qui avait son seul et unique fils, who had an only son, there was another one elsewhere. Et en plus, elle était veuve. And she was widow. Son fils là venait de mourir. And her son died. Et on partait l'ensevelir. And they went to bury him. C'est là qu'ils vont rencontrer Jésus. At that time they met Jesus. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'ils vont rencontrer Jésus. They met Jesus at that time. Il était le fils unique de cette femme. It was the only son of that widow. Son dernier espoir. A last hope. Peut-être même sa raison de vivre. Maybe a reason of life. Son espérance. A hope. Celui-là qui allait perpétuer le nom de son mari. The one who will keep the name of her husband. Il venait de mourir. Who died. Peut-être qu'elle comptait sur lui. Maybe she relied on her. Peut-être que c'est lui qui était prié un peu pour lui donner à manger. She was working to feed her. Peut-être que c'était un homme que je vais lui donner à manger à sa mère. Maybe often he gave. Voici que ce fils unique n'est plus. And that only son died. Qui va donner à manger à cette maman-là? Who will give food to her? Avec qui maintenant elle va poser le soir lorsque son fils revient du travail. And we thought after he would his work. C'est ainsi comme elle venait de perdre une partie d'elle-même. It is as if she lost a part of herself. L'espérance de la vie. A hope of life. Est sacrée. Is a devoted. Et cette femme. And that woman. Était devenue malheureuse. She became miserable. Et la Bible dit. And the Bible says. Lorsque Jésus-Christ a rencontré cette femme. When Jesus met that woman. Il fut ému de compassion. He was full of pity with her. Il a eu la compassion pour cette femme. He was filled with pity cette for her. Cette femme veut. Of that widow who had nobody to support her, nobody to help her. She had nobody to talk with that person. Oh, mon frère, my beloved, maybe there was nobody to give her food. And last hope was running out. Parce que la mort était rentrée dans sa maison. Entered in the house. Mais la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a vu cette femme, when Jesus saw that woman, il fut ému de compassion. His heart was filled with pity for il her. Il a eu la pitié pour cette femme. He was filled with pity for her. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. When the Lord saw her, his heart was filled with pity et for her. Lui dit, ne pleure pas. And he said to her, don't cry. Je dis à cette femme-là, ne pleure pas. Jesus said to that woman, don't cry. La compassion de Jésus. The pity of Jesus. Pas poussé Jésus à aller vers cette femme. Will lead him to go to that woman. La consolation. And to comfort her. Pas la consolation que le monde donne. Not the comfort that the world can give, that the world can give us, mais la consolation qui vient the comfort coming from Jesus. Consoler cette femme. Jesus will comfort her. Il va dire, ne pleure pas. He said, don't cry. Un frère, my beloved, comment peut-il, how can we say, à une femme, to a woman, je suis coiffeuse, a widow, qui a perdu son fils unique, to stop crying and don't cry anymore. The world cannot understand. Mais cette femme, elle a la she is in tears. Elle a la lamentation. She was in lamentation. Her heart was empty. Elle est malheureuse. She was miserable. Elle est inconsolable. She cannot be comforted. Personne ne peut consoler cette femme. Nobody can comfort her. Personne. Nobody. Mais Jésus est venu à cette femme. When Jesus came and told her, don't cry. Maybe she said to Jesus, avant toi, before you, beaucoup ont dit, maybe said ne pleure pas. Don't cry. Ceux qui viennent consoler, those who come to comfort, they say, ne pleure pas. Don't cry. Cesse de là. Stop crying. Cesse de pleurer. Stop crying. Arrête de te lamenter. Stop lamenting yourself. Arrête d'être triste. Stop being sad. Ça n'a pas changé la situation. It has not changed the situation. Mais la Bible dit, the Bible says, cette femme-là, woman, je suis pas lui dit, Jesus said to her, arrête de pleurer. Don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. Il n'a pas dit ne pleure plus. He has not said stop crying. Il dit ne pleure pas. He said don't cry. Quand on dit ne pleure
it means that qu'il y a quelque chose, there is something qui va se faire, that will be done. Qu'il y a quelque chose, there is something qui va se manifester, that will be manifested. Je dis à cette femme, Jesus said to ne pleure pas. Don't try. Il n'a pas dit ne pleure plus. God has said stop crying ne anymore. Ne pleure pas. Don't try anymore. C'est un coup. Arrête maintenant. Stop now. Cesse de pleurer. Stop crying cesse now. Cesse d'être triste. Stop being sad. Cherche une solution. We get a solution. Tu vas trouver. We'll be found. À ta situation. To your situation. Parce que là-bas, because there, je viens de rencontrer la vie. Amen. Sur le même chemin. In the same way. Vie et la mort. Life and death. Venez de se rencontrer. They meet one to la vie venait de rencontrer la mort. Life met death in the same way. Alléluia. Alléluia. La vie venait de rencontrer la mort. Life met death. Jésus a eu pitié de ce monde. Jesus was filled with pity for her. C'est pas la pitié de ce monde. It's not the pity of this world. Une pitié sans remède. The pity without any cure. Une pitié sans solution. Without solution. In this world, when you lost someone, the family, the parents and friends, they come to comfort you. But they cannot do anything else but to comfort you, to say, stop crying. Don't cry anymore. And we servant of God, when we come to comfort you, we used to say, c'est le chemin de toute la terre. It's the way of all the earth. Dieu t'a donné. It's God who gave. Et c'est Dieu qui a repris. The one who has taken back. Mais je ne peux pas dire ça. Jesus cannot say that to that woman. Que tu viens de perdre ton enfant. That she lost their son. Nous on peut dire ça. Oui, we can. Moi je peux le dire. I can tell you. C'est Dieu qui a donné. It's God who gave. C'est Dieu qui a repris. The one who has taken away. De toute la terre. In the way of all the earth. Dieu lui-même. But God himself. Sur la terre. Was on earth. Par Jésus Christ. Through Jesus. Est-ce que Dieu peut se parler à quoi lui-même? God can you talk to himself? Again. Non, c'est Dieu qui a donné. You say it's God's gift, and it's the one who gave back. Si c'est toi qui a donné, if it's you, the one who gave back, you give back. Donné. Give again. It's what Jesus did. Jesus cannot talk like that. That's why we have to. You must look to talk like Jesus. We have to do like Jesus. Hallelujah. Cette femme était dans le lac. That widow was with tears. Jesus was filled with pity for her. Mais cette widow n'a pas arrêté seulement les choses superficielles. Stop at this point. Il fait quelque chose d'extraordinaire. And he did something wonderful for her. It is the same way in the life of many people. People are suffering. Nous sommes dans un monde meurtri. We are in the world that people are. Nous sommes dans un monde où la souffrance est partout. We're suffering at any level. Même chez les Occidentaux, even in Western countries, people are suffering there. Bon, l'Afrique même sur le berceau de la souffrance. Africa is the place of suffering. Le berceau de l'humanité. We say it's the place of humanity. Le berceau de la souffrance. We say it's the place of misery and suffering. L'Asie en Asie aussi a la souffrance. In Asia, we have suffering there. Sur le continent américain aussi a la souffrance. Even American continent, there is suffering. Le continent européen aussi a la souffrance. The European country too, there is suffering. La race humaine souffre. The human race is suffering. Rares sont les peuples qui ne souffrent pas. Very few persons are not suffering. Les gens sont malheureux. All people are miserable. Les hommes politiques sont incapables. Politicians are not able. De secourir la population. To help their population. On ne peut pas distribuer l'argent à toute la population. You cannot share money to all the population. Malgré ce qu'ils vont essayer de faire pour aider le peuple. Despite all things that they will do to help the people, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. They cannot satisfy everybody. Il y a toujours des gens qui vont se plaindre. There are always people who will complain. Même si on pouvait te donner 100 milliards, 100 milliards, chaque personne oublie ta population. Even if you come and give. People, we will have people who complain because they lack something. Nous sommes dans un monde qui souffre. We are in a world in suffering. Les peuples souffrent. People are suffering. Les nations souffrent. Nations are suffering. Les régions entières qui souffrent. There are regions are suffering. Il y a des familles qui mangent une there fois par jour. There are families that eat once a day. Il y a des familles qui mangent une fois chaque deux jours. There are families who eat once two days. Notre jeunesse est livrée à elle-même. Our youth is like this. Il y a le manque d'emploi. There is lack of job. Le chômage. And jobless. Il n'y a pas de travail. There is no work for them.
C'est dur partout. It's very hard everywhere. Les affaires ne prospèrent plus. Business are not flourishing. Financièrement, ça ne va plus. Financially, things are not good. Dans le foyer, ça ne va plus. In the couple, too, things are worse. Parents are obliged to leave their child to tout prostitution. Cela à cause de la souffrance. All these things because of suffering. Et cette mère qui était veuve, and that mother who was widow, grande souffrance, was in a great suffering. Parce because she lost her hope. Son seul fils, her only son. Elle n'était pas encore mariée. She was not married again. Elle n'avait pas non plus un autre fils. She had another son. Peut-être que son âge de mariage était déjà révolu. Maybe her time to get married was very old. Maybe she cannot bear. Mais en fait, cette femme était inconsolable. But she cannot be comforted. Elle a rencontré Jésus. She met Jesus. On dirait que c'est par hasard qu'elle a rencontré Jésus. Then we say that it's at random that she met Jesus. Dieu, il n'y a pas de hasard. Because the things are not happening at random. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Because God is the master of time and circumstances. Le temps vient de Dieu. The time is coming from God. Les circonstances. And all the circumstances, all of them are coming from God. Mais cela est capital. And that is important. Les circonstances. All the circumstances that happen the time. Sont perdus par Dieu. Are allowed by God. Donc si tu es fils so, comme ça, if you are living this, fils de cette femme veuve, that life of that widow, si tu vis parce qu'il y a une souffrance qui traverse ton âme, if you live in a suffering that is in your soul, I can assure you that Jesus wants to meet you. Tu vas rencontrer Jésus. You will meet Jesus. Tu vas rencontrer Jésus. You are meeting Jesus now. Avec ton problème, Jésus vient. With your problem, Jesus is coming to you. I can say, don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. Cesse d'être là. Stop crying now. Ne pleure pas. Don't cry. Arrête d'être triste. Stop to be sad. Cesse d'être malheureux. Stop being miserable. Cesse de croire. Stop believing. Il n'y a pas de solution. That there is no solution à ton problème. To your problem. Cesse de penser comme le monde pense. Stop thinking like the world is thinking. Le monde pense sans remède. The world is thinking. Any remedy. That's why many keep they keep themselves parce qu'ils n'ont pas à manger. Because they cannot eat. Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Maybe they don't have a job. Donc parce qu'ils n'ont pas de famille. Maybe they don't have families. Donc parce qu'ils n'ont pas de parents. They don't have parents. Donc parce qu'ils n'ont personne pour causer avec they eux. Nobody to talk with them. Beaucoup se donnent la mort. Many kill themselves. Mais Jésus. But Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Va être ton compagnon. Must be your companion. Jésus your va être ton compagnon. It must be your companion. The Bible says, ces peuples-là, that people faisant route avec Jésus, was following Jesus. Jésus veut être ton compagnon. Jesus wants to be your friend. Il veut marcher avec toi. He wants to walk with you. Est-ce que toi, tu veux marcher avec lui? Do you want to walk with him? Jésus va rencontrer cette femme. Ne pleure pas. He met that woman and said, mon don't frère, cry. Ne pleure pas. Don't cry. Ma soeur, ne pleure pas. Brother, don't cry. Cesse de là. Stop crying. Tu as rencontré Jésus. You have met Jesus. Tu n'as pas rencontré un homme. You haven't met a man. Tu n'as pas rencontré un chef d'État. You haven't met a head of tu state. Tu n'as pas rencontré un mortel. A mortal. Mais tu as rencontré but le Dieu de Dieu. You have met the God of heaven. Jésus Christ. Jesus Christ. Tu n'as pas rencontré un pasteur. You have not met a pastor. Tu n'as pas rencontré un prophète. Not a prophet or an evangelist. Tu n'as pas rencontré un serviteur de you Dieu. You haven't met a servant of God. Tu as rencontré but Jésus. You have met Jesus. Le Seigneur the Lord of Lord. Un jour, one day, les Grecs sont venus vers Jésus. Greeks came to meet Jesus. Et ils sont venus voir les disciples de Jésus. And they saw the disciple of Jesus. Et ils ont demandé qu'ils veulent rencontrer and Jésus. And then they want to meet Jesus. Je t'invite à rencontrer I Jésus. I invite you to meet Jesus. Je t'invite pas à rencontrer un serviteur. I don't invite you to meet a servant of God. Je t'invite pas à rencontrer un pasteur. I'm not inviting you to meet a pastor. Les pasteurs sont chargés de vous conduire vers le Seigneur. Pastor must lead you toward Jesus. Afin de vous faire marcher dans le chemin. In order to make you walk in the way, in the truth. Si on ne te fait rencontrer Christ, if you don't meet Jesus, you cannot see the miracle. If you don't meet Jesus, you cannot see the glory of God. If you don't meet Jesus, you cannot see the reign of God in your life. If people don't bring you to Jesus, you will never understand the mystery of a kingdom. Only Jesus, in the Holy One, who has the miracle, the truth, and the miracle, and the miracle. Only Jesus is the owner, exclusive is the owner, the feet of the life, the donateur, the giver, the excellent.
existe. That person exists at all. And it comes to fulfill the word of life. Christ. If you have Christ, you have the word. You have the word. If you have the word of Christ, you have life. You have the miracle. You have the miracle. You have the reign of God. Listen to me carefully. Jésus dit, ne pleure pas. He does say, don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. Ce qui perturbe ta vie. What is disturbing your life? Ce qui te fait souffrir. What makes you suffer? Ce qui maltraite ton âme. What is irritating your soul? Ce qui te fait insomnie. What gives you not to sleep? Ce qui crée un chaos dans ta vie. What is creating a chaos in your life? Dans ta maison. In your house. Ce qui perturbe ta vie. What is disturbing your quietness? Alléluia. Alléluia. Tu as rencontré Jésus. You have met Jesus. Tu as rencontré le Messie. You have met the Messiah. Je l'invite ce matin. I invite you this morning. Regardez au Seigneur. To watch the Lord. Not to watch a man. Ne regarde pas le pasteur. Not to watch a pastor. Ne regarde pas le Seigneur. Not to watch a servant of God. Ne regarde pas le prophète. Not to watch a prophet. Ne regarde pas le prophète. Not to watch an evangelist. Ne regarde pas Jésus. Not to watch Jesus. Qui est mort. He is the man who died for you. Ressuscité le frère. And who has been raised from the dead. Watch Jesus. C'est le rédempteur. Il est rédempteur. La Bible dit c'est le rédempteur. The Bible says il est rédempteur. Le roi des rois. The King of Kings. Le Seigneur. The Lord of Lords. Cette femme. That woman. Va faire une rencontre. She will match. She va bouleverser. That will overturn her life. Cette femme va faire une rencontre. She will match Jesus. Avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. And with someone she doesn't know. Dieu dit c'est le Messie. And God said he's the Messiah. Le Messiah. We call him the Messiah. Le Dieu de Dieu. The anointed of the Lord. The choice, God chose, the reign of God. She met Jesus that will change definitively her life. She will understand pourquoi elle avait des disciples. Why there were he had a disciple. She will understand pourquoi avait grand foule qui faisait. Why there was a great crowd for him. She cannot understand that. The dead. He said, "Lève, get up, young man.
your test. Je vais me raconter ce qui perturbe. You want to meet what is disturbing your life. Je vais raconter ce qui enlève la peine de ton cœur. You want to meet what is disturbing your life. Je vais raconter ce qui you want to meet you. Mais plus particulièrement ton souci. Mais particulièrement your worry. Ton souci. Your worry. Ta préoccupation. Your worry. Je vais me raconter ce qui perturbe ta vie. Disturbing your life. Je vais me parler à ton problème. You talk to your problem. Je suis en parlant au problème de cette vie. You talk to the problem. Un conflit avec ce problème.
without problem. Il va ça pour toi. Il me sauve. Il va tuer ça pour toi. Il va tuer ça. Il va tuer ça pour toi. Il va tuer ça. Il va tuer ça pour toi. Alléluia. Pour conclure, pour finir, la conclusion, tu as dit au verset 16, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. The Lord was filled with fear and trust God, a great prophet that appeared among us. God has come to save his people. All the people there. Lorsqu'ils ont vu Christ ramener à la ville, when they saw Jesus bringing back that young man, a great prophet has appeared among us. En disant, un grand prophète, c'est un grand prophète. Jesus. 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 Jesus
is his name. This morning, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi.